Placées sous le signe de la cohésion sociale, les finales nationales de Petit Poteau ont été présidées par le corps préfectoral. Le secrétaire général 1, Kofi Amani Ignace, avait à ses côtés le secrétaire général 2, Kouadio Brou Benoît, et le sous-préfet Vanier Jean-François. Une quatrième édition parrainée par Fofana Hassan, opérateur économique. Le secrétaire général 1, Amani Ignace, s'est chargé du coup d'envoi de la quatrième édition de Petit Poteau à Mankono. Pour sa première sortie, l'équipe de Man, vainqueur de la troisième édition en blanc, était opposée à Daloa. Face aux jeunes de la cité des Antilopes, l'équipe de Man a eu des difficultés à développer son jeu. Disjoncteur, capitaine de Daloa, apprécie le match nul et lance un défi pour la suite de la compétition. Pour Yamsoko, ça n'a pas été. On a vu qu'on a, fait de nos mieux, mais ça n'a pas payé. Mais c'est que cette fois-ci, on va s'y racheter. Mankono, en rouge ou blanc, sur ses installations, n'a pas connu de réussite. Son ambition de remporter le titre de la saison 2020 s'est arrêtée en quart de finale. Après 7 heures de compétition, deux équipes ont obtenu leur ticket pour la finale. Daloa en violet et Zouaounien. Comme les autres années, le spectacle était au rendez-vous et assuré par 10 joncteurs de Daloa. Malgré quelques actions offensives des deux équipes, aucun but ne sera inscrit. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Plus inspiré, Daloa s'impose 2-1. Je suis très heureux parce que d'abord j'avais raté une finale à Yamsoko. Donc ça me fait vraiment plaisir de remporter aujourd'hui. J'avais dit avant que le trophée allait revenir chez nous. Et oui, c'est revenu. Dieu est sur nos prières. Daloa a disputé 6 matchs, 3 nuls et 3 victoires. Vainqueur de la 4e édition, l'équipe de Daloa a obtenu une enveloppe de 700 000 francs CFA. Zouaounien, deuxième, s'en sort avec 300 000 francs CFA. Le trophée de fair play est revenu à l'équipe de Korogo. Le meilleur buteur vient de San Pedro.